Salut les gars, on se retrouve pour un vlog rapide. Aujourd'hui, on est dans un pays assez spécial, un pays où j'avais jamais été avant. Aujourd'hui, on est en Inde, précisément à la ville de Bombay, pour une course de drone. Je sais que c'est pas forcément un pays auquel on aurait pensé quand on pense aux courses de drone, mais manifestement c'est bien là. On est sur un énorme festival qui est organisé par un énorme campus, un des plus gros campus d'Inde. Et actuellement, on est en train de se manger, de se commander à manger un petit plat indien pour tester, et parce que la course est tout à l'heure. Il faut savoir que là, je vous parle, on a déjà fait les practices hier, et je voulais vous épargner en fait toute la phase où j'arrivais, je découvrais, etc. Et la phase aussi où on s'entraînait, bah, ça va être le moins intéressant. Je vais vous filmer un peu la course, vous dire comment ça se passe, et puis vous montrer un peu le décor ici. Vous allez devoir m'excuser aussi parce que malheureusement j'ai quelques problèmes avec mon téléphone. Donc en fait je pourrais pas vous faire ce vlog en format paysage, mais je vais me contenter de vous le faire en format portrait avec mon téléphone, parce que j'ai quand même envie de vous montrer tout ce que je peux vous montrer et de vous faire profiter avec moi de mon voyage. Allez, on est parti pour ce tour de track. On commence dans la start gate, suivi de ce turn droite pour la deuxième gate et la troisième en hauteur. Split S, on repasse dans la même gate en dessous. Le virage avec la tornade à droite, puis le power loop gauche. Tout ça, c'est un enchaînement très flow où on va garder de la vitesse. Le slam de gate, suivi du power loop et on repasse dans la start gate. Comme vous pouvez le voir, là on a l'énorme track qui est ici. C'est un track qui est quand même très rapide. On va partir, faire un split test au fond, revenir chercher cette double gate qu'il y a ici pour ensuite faire le zigzag, le split test et la gate. C'est une dizaine de gates à peu près, ça dure environ 10 secondes. On a la tente de chronométrage qui est tout au fond là-bas. On est au milieu d'un énorme stade avec pas grand monde. On a quand même quelques spectateurs sur la gauche. Et là il y a plein de chaises, donc on verra ce soir quand le track sera entièrement éclairé avec les LED, ça sera vraiment génial. Et ensuite on a toute la partie paddock, on a tous les pilotes qui s'y tiennent ici. On va vraiment avoir de tout dans les paddocks. Donc il y a beaucoup de pilotes qui sont équipés de Radio Master, beaucoup de pilotes aussi qui ont des HD0 comme ici. Il y a une paire juste là, il y a un autre pilote qui en a une là-bas, il y a un autre pilote qui en a une juste ici. Donc on a vraiment beaucoup de gens qui ont du bon matos. Là on peut voir T-Motor 533, là on a des frames en floss, on a d'autres 533 ici, de la frame de BMS. Donc il y a quand même les gens qui ont du matos diversifié, vraiment de bonne qualité. Ils savent à peu près tuner les drones et franchement je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de pilotes avec du matos de moins bonne qualité, mais je suis vraiment étonné. Et Ça leur réussit parce qu'ils arrivent franchement à avoir un bon niveau. Bah, il est parti là-bas. Et donc là, ils sont en train de faire les qualifications. Comme vous pouvez le voir, on est assis sur les chaises qui sont là en général. Là, il n'y avait pas beaucoup de pilotes. Et moi, je suis établi juste là.
Bon, ça y est, on se retrouve. Non, vous avez vu quelques images de comment se passait mon voyage, des paddocks, etc. Des gens qui travaillent sur leur drone, qui essaient de régler, etc. J'espère que ça vous a plu. Là, on arrive peu à peu sur la course. On a fait toutes les qualifications. On a fait 4 manches de qualification. J'ai fini premier. J'ai 11 secondes d'avance, je crois, sur tout le monde. Il faut savoir, c'est aux 3 tours consécutifs. Donc, c'est quand même. C'est pas non plus au tour. Donc je vais essayer d'assurer, de passer toutes mes manches. J'ai pas exactement compris comment tout marchait, mais on va essayer de se débrouiller. Donc là ils sont en train de finir d'installer toutes les LED sur le track, comme on peut voir, mettre des bannières, etc. Et ensuite, je sais pas si je vous ai montré avant ou si je vais vous montrer après encore au montage un de mes vols. Et il y aura aussi les vols de nuit qui vont être vraiment fameux, en plus en HD0, ça va être super beau. Allez les gars, on se retrouve après la course. C'était une course vraiment géniale, j'ai adoré. Franchement, il y avait un bon track, le track full LED, c'était pépite. Et j'ai tout gagné, toutes mes demi-finales, toutes mes finales, tout s'est bien passé. J'ai pas crashé, pas touché, pas fait d'erreur. J'ai même dû commenter la troisième manche de la finale parce que comme c'était en Chase the Ace, j'avais gagné les deux premières manches. Donc c'était vraiment une bonne expérience même de commenter et tout. Il y avait masse monde qui regardait, il y avait peut-être 200-300 personnes qui étaient juste en face de ce côté-là, là derrière les tentes, et qui nous regardaient en fait pendant toute la course. Donc il y avait vraiment des gens qui criaient et tout, c'était vraiment vraiment bien. Maintenant on va voir ce qu'on fait, on va voir la prochaine partie du vlog, on va peut-être aller sortir, boire un coup avec les autres personnes, les autres pilotes indiens. Et je suis encore là pendant 2 jours. Je vais rester dans leur gros campus universitaire avec eux. Faut savoir qu'ils sont en vacances. Donc normalement on va bouger un peu dans Bombay. Et on va voir où ça nous mène. Et puis je continuerai à vous filmer. Et je mettrai ça dans le vlog bien évidemment. Ouais les gars, là je vous montre ma chambre en gros. C'est la chambre où je suis resté pendant plusieurs jours. Et où je vais encore rester un peu. Ça fait 2 jours que je suis là. On m'a mis mes petits matelas pour que je sois un peu plus confortable. Et là on est au 5e étage avec les petites barrières. Mais voilà, en gros je suis resté là 2 jours. Ma petite tatou pour recharger mon téléphone. Et là on se retrouve bien sûr après la course. J'ai le trophée qui est là, j'ai mon sac. Je voyage toujours avec ma petite valise qui est juste là. Et voilà. Hein. Rien d'autre à montrer, de toute façon les petites là j'ai fait le room tour, ça y est. Les organisateurs se sont arrangés pour que j'ai une petite chambre en gros dans le campus, parce que là je suis dans le campus universitaire. Et je reste pour une durée de 4 jours dans cette chambre. Là il est actuellement 2h du matin, on a fini la course quasiment à minuit, il était assez tard, je suis éteint comme vous pouvez voir. Et ensuite on va aller, là juste après on va certainement aller manger un truc, j'attends qu'ils reviennent me chercher. Parce que j'ai pas trop mangé donc j'ai un peu faim. Et après je pense que j'irai dormir, on se réveillera assez tard demain. Mais tout le monde se réveillera assez tard parce que là toutes les orgas ils ont passé masse de temps à tout organiser, à tout mettre en place, à démonter. Donc ils sont tous super fatigués, donc demain ensuite on se retrouvera pour faire quelques trucs je pense à bomber. Et on verra. Sur ce, moi les gars, je vais peut-être vous faire 2-3 plans tout à l'heure si je bouge ou si je vais dormir. Et sinon, je vous dirai à demain pour la prochaine partie du vlog. Parce que je suis grave fatigué, je pense pas trop continuer. J'ai pas vlogué non plus tant que ça. J'avais vlogué beaucoup plus pour la course en Espagne, mais j'essaie quand même de vous montrer tout ça du mieux que je peux. Allez, ciao, bisous.